Notre septième leçon, consacrée à la guitare classique, une bourrée d'Ernst Gottlieb Baron, premier cycle, troisième année. Dans ce morceau, donc, nous avons différentes techniques, des notes jouées ensemble, des mélodies, des mouvements un peu plus complexes. Vous avez pu remarquer sur la fin du morceau, au niveau de gamme brisée. Ce qui compte aussi, c'est l'arrêté des notes. Si vous, en observant sur ce morceau la mesure numéro 3, vous avez ceci. Une fois que vous avez fait le début, en positionnant le meilleur doigt possible. Donc là, on peut faire comme ceci. Hein. On peut utiliser différents doigtés. Le meilleur doigté, en fait, c'est celui qui vous convient le mieux et celui qui convient mieux au morceau aussi. Donc il n'y a pas qu'un seul choix. Donc on peut commencer comme cela, en positionnant déjà les doigts, plutôt que de faire, vous voyez, ce qui, au lieu de faire deux mouvements, faire. Donc là est toujours la base de là. Et là, regardez ce qui se passe. Le pouce en même temps qu'on joue cette note pour étouffer le son. Alors, pas comme ça, hein, délicatement. Vous voyez? Et attention, il faut bien lever le doigt aussi là. Et ne pas faire. Glisser le pouce, bien poser, arrêter la note et un son clair. Donc à plusieurs endroits du morceau, on arrêtera la résonance. Alors ceci, en fait, étant donné que vous avez joué cette basse avant avec le pouce est positionné. Voyez, votre pouce est là, sur le là. Quand vous faites, c'est la note justement que vous venez de jouer. Donc c'est pas la peine de regarder votre pouce. C'est la note qui est bien positionnée. Donc vous continuez sur le morceau. Sur le rythme, là, quand vous faites, vous avez donc une noire pointée, donc 1, 2, 3, 4, et, donc le et du 4, hein. Thank you.
pouce là. Vous voyez? Deuxième partie dans. Là aussi, étouffer le son. Pour bien travailler les intervalles. Les doigts se positionnent correctement. Si ré, le do et le mi, le ré à la basse et le fa, le si et le sol. Voyez donc là. Là-bas pareil, on peut enlever le doigt ou mettre le pouce, ça vous habitue. Donc là. Là pareil. Ça reprend. Donc là, pareil, on s'entraînait à faire. S'entraîner sur le morceau, hein, sur les différentes parties. Vous pouvez commencer donc à différentes. Donc là, bien étouffer le son. Donc mouvement là de. Vous pouvez mettre l'oreille. L'auriculaire ici, quand vous faites ce passage, ça tombe vraiment sous les doigts, entre le do et le ré. Alors, au début, pas forcément avec la basse de ré, mais de faire. Étouffement. Et se reprend. Etc, etc. Donc bien travailler progressivement la pièce, mesure par mesure, et travailler les passages qui vous posent le plus de problèmes. Donc attention à la fin, sur le passage plus long mélodiquement. Je le rappelle, c'est ce passage-là. Faire vraiment. On garde les basses qui sont des blanches, hein. Ne pas étouffer. Non, ne pas enlever le doigt.